Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece Fighting Pass. Vidéo très rapide, plutôt comment tout simplement jouer au jeu, se connecter au serveur, etc. Du coup, avant ça, je vous invite à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, on commence. Je vais tout simplement vous dire très rapidement comment faire. Je vais vous mettre dans la barre de description. Tout simplement le fake ID pour ne pas avoir ce truc qui apparaît ou même ceci. Regardez ça. En fait, ce message apparaît quand tout simplement on teste à plusieurs reprises plusieurs identifications différentes et qu'elles paraissent tout simplement fausses vis-à-vis de du bot. Du coup, ce que vous allez faire tout simplement, c'est que vous allez mettre les deux petits trucs que je vais vous mettre en description. Du coup, là, c'est le code, le numéro d'identification, et là, c'est le prénom que je dois retrouver dans les prochaines secondes. Attendez. Et voilà, normalement, c'est ça. C'est pas ça, faut que je fasse ça. Ok, voilà. Du coup, voilà, il vous faudra ça. Et là, vous allez pouvoir être connecté. On peut quasiment tous utiliser la même identification chinoise. A priori, ça ne posera pas de problème. Une fois in-game, normalement, a priori, on pourrait se connecter avec d'autres comptes ou d'autres façons ou d'autres réseaux sociaux à part TikTok. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.